Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Monster Hunter World sur PS4. On va tout de suite continuer en faisant la rivière éternelle en expédition. Donc j'espère que vous êtes bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Vous voilà. Et quelle ponctualité. J'aime ça. Tiens, c'est ici qu'on a repoussé le Zora Magdaros vers le large. Exact. Venez, suivez-moi. Je n'ai pas pris le temps de me présenter. Je suis l'amiral, le gros bonnet de la commission. Bien entendu, je laisse au commandant la gestion du quotidien. Je ne suis pas homme à rester à quai. Je traquais un monstre quand j'ai découvert un endroit étrange un peu plus loin. Quel monstre ? Le Nergigante. Après la disparition du Zora Magdaros, le Nergigante s'est lui aussi volatilisé. J'ai donc décidé de suivre sa trace, ce qui m'a conduit jusqu'ici. Une faille que le Zora Magdaros a dû créer, j'imagine. Et le Nergigante ? Il n'est plus très loin, à mon avis. Ouais. Waouh. Cet endroit est incroyable. Regardez ça. Ah ouais. Stylé, hein. Cette drôle de sensation. J'en ai la chair de poule. La rivière éternelle palpite d'une quantité d'énergie incroyable. Tous ces monstres coriaces que vous avez affrontés, ils doivent venir de là-bas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? La commission et le Nergigante se sont mis à la poursuite du Zora. Son arrivée dans le Nouveau Monde a dû réveiller quelque chose. Oui, mais quoi ? Il ne nous reste plus qu'à découvrir quoi ? Préparez-vous au pire. À vos ordres. Nous y sommes presque. Allons-y. C'est pas moi qui bouge, hein. Impressionnant, hein? Oui. Voici la terre des anciens. On trouve de ces cristaux un peu partout ici, ils sont vraiment fascinants. Ça
Certains sont vraiment gigantesques. Comment se forment-ils? J'en ai aucune idée. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'endroit est saturé de bioénergie. Ce qui signifie que les bestioles du coin sont plus coriaces qu'un ouragan. Amiral, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis le début. Quoi donc? Pourquoi le Zora Magdaros est-il venu jusqu'ici au lieu de mourir dans le Val? Quelque chose l'aurait attiré? J'en sais pas plus que toi. Mais il y a quand même un indice. Le Nergigante. Bien sûr! Le Nergigante est toujours apparu en même temps que le Zora Magdaros. Il avait forcément une raison de venir ici. Et pas que lui, d'ailleurs. En fait, pas mal de monstres sacrément costauds sont venus s'installer dans le coin. Commençons par suivre leurs traces. On finira par découvrir ce qui se passe, avec un peu de chance. D'accord. Dans ce cas, pas de temps à perdre. Tu es prêt? Ok. Assez perdu de temps. Nous avons un monstre à chasser. Il a dit bouffis. Tout d'abord, surprise du chef. Voilà. Alors, là, pas. Ça. Voilà. Bon, ils m'ont pas l'air puissants, mais c'est des barmeuses, ok. On va changer notre arme. On va changer notre arme. Je pensais que celle-là allait être mieux parce que c'est une rang. Une rang 6, mais pas du tout, apparemment. Je préfère la rang 5. Qui va bien avec mon stuff du Zora Magdaros. De quoi récolter.
Oula. Il est pas content. Hop. Ouch. Aïe. Il est temps de mourir. Aïe. Allez, allez. Il va tout mourir, hein. Alors, qu'y a-t-il là-bas ? Non, il se repose pas encore. C'est que c'est bon. Ok, je viens de me faire défoncer. Pourtant j'avais encore plein de vie, mais... où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas, ok. Ah, je peux pas... Chier.
Papa. Je peux de nouveau manger. Quelqu'un. Ah ouais. Allez, on y retourne. Ah là 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 là. Je vais vraiment leur faire un stop de Garonne. C'est chiant. Il revient. Il s'enfuit. Ah putain, il y a jusque là, je pensais pas. Non mais stop quand même là. Ah, j'ai encore mourir. Il a pas plus sa queue. Voilà. Garen capturé. Un de moins. Ok. Un scutum. De lave, ok. Ok, d'accord. Bon, lui il va être ici là, appréhender. Jusqu'à ce que j'ai un meilleur stuff, bien entendu.
Donc cette vidéo, ça va être que l'exploration, hein. Comme à chaque fois qu'on fait une expédition pour découvrir une zone. Oh, pas de quête. C'est déjà la zone du haut. Bon, ça nous fait des points supplémentaires. C'est ennemi. Ça, c'est bien la 3, donc c'est bien là qu'il fallait. Qu'est-ce que c'est que ça? Péril. C'est étrange. Champi cool. Grand péril. C'est beau quand même, hein. Oh, nice, les minerais. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Ah, c'est la zone 9. Oh. D'accord. Donc là c'est la zone 9, c'est pas par là que je voulais aller, on fait comme d'habitude dans l'ordre. Hein. Mais c'est bien entendu certaines zones dans lesquelles on ne pourra pas encore passer. Mais ça c'est pas grave. Là je suis à deuxième niveau au niveau d'en bas. Il faut que je remonte. Attendez un instant. Voilà. Je sais pas, il y aura combien de camps dans cette zone. Peut-être qu'un seul, peut-être deux. On verra bien de toute façon. Si on voit une zone suspecte, on ira. D'ailleurs, hop. On monte. Tout en haut. Aussi. Si ça va être le lieu de repos d'un monstre, 100% sûr.
D'accord. Ici, il n'y a rien. On va sauter, hein. Oh, des saboteurs ici. J'avais même pas remarqué. Oh, ouais, ça j'avais pas remarqué non plus. J'ai bien fait de me retourner. La route où donc, monsieur saboteur? Oh, y a pas de texture. C'est pas bien. Il faut des textures. Je pense qu'on pourrait installer bah voilà. Les bancs ici. Allons demander conseil à l'intendance. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Où j'utilise plus l'escaragrappin, c'est méga utile en fait. Ah, un cristal de bas. Quelque chose tout en bas donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une tête, d'accord. Je vois ce que c'est. Ah, cette zone de cristal elle est méga stylée. Encore du béryl là-bas. Hop. Et je comprends pas très bien ce qui se passe ici, mais... D'accord. Pourquoi pas. Ce sera peut-être une quête principale, hein. Certainement, même. Maintenant, faut remonter. Ici, c'est la zone 8. On va remonter par là d'abord. On était à la 4, maintenant on va faire la 5. On va faire un peu le tri dans l'inventaire également. Piégé, trop chaud. J'essaye de voir là-bas, apparemment c'est bloqué.
serait bloqué juste là. Pas logique. Il y a une zone que je n'avais pas encore explorée en arrière. D'ailleurs, bah, les chauves-souris, je les ai pas non plus. Bon, un petit tour de la zone arrière, de toute façon. C'est des poissons basiques. La pêche est pas extrêmement développée dans le jeu. Alors c'est moi qui l'ai pas compris. On en revient là. C'est sûr que c'est qu'il y aura pas de boss ici. Trop petit. Encore 7. Immortel. Alors, par là-bas. Est-ce que les traces sont réapparues ou pas? On sait non. Bon, on continue l'exploration de la zone. C'est pas une très très grande zone, hein, d'après ce que j'ai vu pour le moment. Elle est pas méga grande. Hein. Ouais, il y a peut-être de nouvelles zones qui vont se débloquer, qui sait. Qui sait. Bon, du coup, là, on va à droite. Non, tout de suite. Un peu plus loin. Et avant tout. Les os. On redescend par là-bas, et en plus les. Ah non, c'est encore... il est revenu. Chier. Là, il est revenu. N'a jamais été dit qu'il resterait. Le luminerai, on en a besoin. On aura surtout besoin du fusium et de la carbalite. Bah t'en voilà toi. Ouais, on sait que c'est toi. On vient de te voir passer. Donc oui, la zone 5 c'était bien celle-ci. On
c'est encore toujours le même monstre, hein. Mais au moins on les prend pour les contrats, etc. Enfin, j'aurais peut-être pas dû le prendre, mais bon. Oh! Des nouveaux petits ennemis. Et Castodon. Il ramasse notre petit Grimalkin derrière. Ah. Relique de dragon qu'on avait déjà. J'essaie de tout ramasser en même temps qu'on avance. On a pas de temps à perdre avec ça. Encore l'ouragan. Ah. Il va passer par là du coup. Chaleur infernale. Sans boisson fraîche, ta vie risque de fondre comme neige au soleil. Tant mieux que j'en ai une. Alors, 5, 6, c'est bon, on va faire la 7. Alors la 7 d'abord, par là. Eh ben. Pierre de lave. On va savoir quelque chose ici. Ok. Ok, champi cool, c'est certainement pour faire les boissons fraîches, on va y en prendre plein. Brûle. Un nouveau monstre par là-bas, donc si c'est quel, c'est le 10, c'est ça? C'est la 10. C'est clairement une arène. Bah allons-y, hein. On va se faire attaquer, donc. Ah, des grosses espines d'une d'un gigante. Le nerf gigante est passé par ici. On est sur la bonne piste. Faut qu'on aura fait tout fait, donc on a pas vraiment le choix. C'est sûr qu'on n'en passe sur lui. Hein. Mais franchement, il n'y a pas de buzz ici. Pas de grand monstre. Non, c'est une blague.
Apparemment, il est pas là. Il devrait être juste en dessous, voilà. Moi, qu'elle dure longtemps là. C'est ça que je me disais. Non. Un gyriatotus de flamme. Enfin, de lave. La patiente. On va se le faire aussi. Patiente. Il s'en fout de moi en fait. Bon, pas grave. Hein. Tant mieux d'ailleurs. Hop. On ramasse un peu tout. Ça fait un petit moment qu'on a mis la potion et elle marche toujours. Hein. Donc il nous reste un monstre à trouver. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, on va prendre de la vessie. On va le faire, je crois, allez. Hein. D'accord, je vois comment il fonctionne. Alors, mais lui aussi, putain. C'est pas sérieux. Tuez-vous entre eux, allez. Enfin, tuez-vous entre vous.
Et oh, calme. Calme, je t'ai dit. Toi tu dégages. Aïe. Ah non mais putain, mais je suis assommé sur la lave aussi, mais c'est quoi ce bordel? Putain. La blague quoi. Ouais, du coup je dois y retourner à pied. Sur la lave. Chapis ça. Qu'est-ce que je... Oh là là, je fais n'importe quoi. Vraiment, là, je... fais vraiment n'importe quoi. Bon, ce sera une vidéo longue, hein, comme d'hab. Hein. C'est l'habitude. Le nouveau monstre doit être dans la zone 8 certainement. Un dodo gamma. Un grand jagra quoi. Ça va, lui il va pas être difficile du tout. Hein. Pour le moment, d'après ce que je vois, il est très simple. Hein. Ouch.
Ouch. Et bien sûr, faut que je sois stun, putain. Ah, ça fait chier, ça, hein. Stun H24, quoi. Ça, c'est chiant. Fais chier. Un écofact du Nergigante. On y est presque. Parfait. Rentrons à Astera. Ah, ça c'est vraiment chiant par contre. Je vais pas les taper, ça sert à rien, je vais perdre du temps pour rien. Qu'est-ce qu'ils foutent tous les deux là-haut? Bon, et puis je suis sur devant le dodo gamin. Hein. Ça explose plus là depuis tout à l'heure. Non. Ouais, sa mère, quoi. Casse-lui. Je suis vénère. Comment de gaspiller des pièges à France, quoi. Il était en train de dormir là. Et ben là, il dort pas. Mais non, mais tu me dis pas que tu vas te téléporter. Si, il dort.
Voilà. Bon, l'autre, tant pis. Hein. On va juste finir d'explorer la zone. La 12, on peut pas y aller encore. Ok, bon. Tiens, une carte de qui? Ok. On y retourne. Retourner au QG. On va faire les petites explorations, etc. Enfin, petit tour de la ville, puis on s'en va. Alors, pierre de la Urgan, et pas Uragan, hein. Autogama. RC13. Eh bien, on a débloqué plein de choses. Écoute-moi. Tu peux y arriver. Il faut qu'on trouve plus d'écofacts sur le nerf giganté. On manque de données. Ok. Ah oui, bah oui, il y a plein de quêtes là. Bien. Salutations. Reviens vite. Plein de quêtes. Content de te voir. Bonne chance. Ah, un basilgueuse. Enfin. Je dois farmer un max. Ça va être difficile, hein. Tout va bien avec ton équipement?
de l'ouragan. On a un bunker avec ça. Je veux pas faire le stuff que je souhaite faire. Bon, ça, ça va être stylé, ça. Je vais améliorer, je crois aussi. Ah non, lui ça va venir pas. Tant pis. Ok. Ça c'est fait. Alors donc mes quêtes, qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais. Et donc voler cette étoile. On se quête à faire. Je vais galérer. Bon bah très bien. Hein. Ok, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, j'en prendrai pour avoir formé comme un ouf. Pour avoir fait toutes les quêtes qui me manquent. Etc. Comme je veux finir le jeu à 100%. Voilà. Moi ça risque de prendre 7-8 heures, un truc comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne, c'était Dosdel pour Chatibal HD. Passez une bonne journée, bonne soirée, et vive les jeux vidéo.